je vous dis Carignan-Salière, vous pensez à ces soldats qui sont venus défendre la jeune colonie contre les Iroquois. Les troupes du régiment de Carignan-Salière sont restées de 1665 à 1668 dans la colonie et ont connu des succès militaires plutôt mitigés. Étrangement, le nom de ce régiment est passé à l'histoire, possiblement pour sa contribution au peuplement de la colonie. Pourtant, des 1300 hommes, seulement 400 vont rester au Canada et tenter l'aventure coloniale. Avec l'aide des filles du roi, il va s'en dire. Aujourd'hui, on estime que 750 000 Québécois descendent de ces militaires. Depuis des décennies, l'attention des historiens se porte sur le régiment de Carignan-Salière. Pourtant, de 1683 à 1760, c'est près de 8 000 hommes recrutés dans les compagnies franches de la marine qui passeront au Canada. De ce nombre, on estime qu'un peu moins de 20 % resteront et s'établiront. Pendant 80 ans, les troupes de la marine ont sillonné le territoire de la Nouvelle-France qui comprenait l'Acadie, la Louisiane, les pays d'en haut et le Canada. Ils ont été les premières forces armées permanentes du Canada, mais leur contribution ne se limite pas à la défense des possessions françaises en Amérique du Nord. Loin de là. Dans les prochaines minutes, nous vous invitons à faire connaissance avec les 8000 soldats et les 900 officiers des compagnies franches de la marine qui ont servi au Canada, ainsi que le legs au patrimoine nord-américain et à la société québécoise. Les compagnies franches de la marine sont des troupes levées lors de conflits armés spécifiques pour le compte du roi, mais à l'initiative d'officiers, et sont dissoutes à la fin de ces conflits. Les compagnies sont franches, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes, indépendantes les unes des autres et non regroupées en bataillons ou en régiments. C'est Richelieu qui crée les premières compagnies franches de la marine en 1622. Au début des années 1670, elles servent notamment de garnison pour les ports et les vaisseaux ainsi que lors d'expéditions maritimes. Comme son nom l'indique, la vocation maritime est au cœur de l'action des troupes. C'est pour cette raison que les compagnies relèvent du ministère de la marine, aussi responsable des colonies d'outre-mer. Progressivement, ces troupes destinées à protéger les navires et les villes portuaires feront la traversée vers les colonies. Dès 1674, les compagnies franches viendront en Amérique, soit aux Antilles et en 1683 au Canada. On les distinguera dès lors des troupes postées dans les ports. Dès 1685, les autorités françaises rendent permanentes ces troupes au Canada. L'envoi des premières troupes de la marine est justifié par une intensification des hostilités avec les Iroquois. En juin 1683, le gouverneur de la Barre demande de toute urgence des renforts de la France. Les milices récemment mises sur pied ne suffisent pas à la tâche. 150 soldats sont rapidement recrutés et envoyés à Rochefort, où ils embarqueront à bord de la Tempête. Seulement 130 arriveront au Canada, à Québec plus précisément, le 7 novembre 1683. Armés de fusils inadéquats et d'épées brisées, ces hommes ne sont pas vêtus pour le climat canadien. Mais ça n'empêche pas que rapidement, ils seront déployés sur le territoire. Et par la suite, l'envoi de recrues se fera de façon régulière. Au fil du temps, outre le terme de « compagnie franche de la marine », on retrouve aussi des mentions de troupes du Canada, troupes de la colonie, troupes des colonies, troupes de la marine, compagnie détachée de la marine, troupes du détachement de l'infanterie de la marine, etc. Afin de bien les distinguer de leurs collègues servant dans les ports en France et sur les navires et qui sont véritablement organisés en compagnie franche, nous préférons employer le terme de troupes de la marine lorsque nous parlons des compagnies servant au Canada et envoyées par le ministère de la Marine. Entre 1683 et 1760, ces militaires prendront part à tous les conflits en Amérique du Nord, à commencer par les guerres franco-iroquoises, la guerre de succession d'Espagne, la guerre des Renards, la guerre de succession d'Autriche et la guerre de Sept Ans. Que ce soit à l'occasion de parties ou de campagnes, ces hommes ont été actifs dans la défense et dans l'expansion des possessions françaises en Amérique. L'organisation militaire dans les colonies d'outre-mer dont le Canada relève du ministère de la Marine. C'est seulement en 1755 que le ministère de la Guerre s'y implique, alors qu'il envoie des troupes de terre pour contribuer à la défense de la Nouvelle-France. Le commandement des troupes régulières et des milices au Canada est assuré par le gouverneur général, qui est le représentant du roi et généralement un militaire de carrière. Viennent ensuite les capitaines, qui ont la responsabilité de l'exécution des ordres du gouverneur général. Mais auparavant, ils doivent
recruter, nourrir et vêtir leurs soldats, en plus de voir à la discipline, à l'entraînement et à l'approvisionnement des troupes. Le capitaine qui dirige une compagnie à laquelle il a donné son nom peut compter sur un lieutenant, deux enseignes, deux sergents, trois caporaux et deux tambours pour diriger 39 soldats pour un total de 50 hommes. Les troupes de la marine sont des troupes d'infanterie. Aussi connues sous le terme de fusiliers ou de fantassins, ces soldats sont spécialisés dans le maniement du fusil. En 1750, les troupes de la marine vont constituer une première compagnie de canonniers-bombardiers afin de disposer de ressources compétentes et entraînées dans le maniement des canons. Une deuxième compagnie suivra en 1757. Les artilleurs sont recrutés parmi les meilleurs soldats de l'infanterie, ce qui en fait un corps d'élite. Au moment de la guerre de 7 ans, ils étaient donc une centaine d'artilleurs des troupes de la marine, répartis en deux compagnies. Il faut vraiment distinguer l'artillerie de l'infanterie, qui sont vraiment deux domaines spécifiques. À ces militaires professionnels, on ajoute des compagnies de milices. Et miliciens, tout homme de 16 à 60 ans en état de porter les armes, ce qui représente grosso modo l'ensemble de la population masculine active. Et pour clore ce portrait des principaux acteurs militaires, n'oublions pas les alliés amérindiens. Ils ont le nombre et ils ont une connaissance approfondie du territoire. Ils sont donc incontournables. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement aux soldats qui composent ces troupes. L'aventure de ces hommes commence par l'enrôlement en France par des recruteurs professionnels payés à la commission. Le recrutement se fait sur ordre du roi et doit respecter les différentes ordonnances qui établissent que l'engagement est volontaire, le contraint d'une durée de 3 ans à la fin du 17e siècle et de 6 ans au milieu du 18e siècle. Le recrut doit être catholique, minimalement âgé de 16 ans et mesurer 5 pieds 1 français, soit 5 pieds 5 en mesure d'aujourd'hui. Les nouveaux militaires reçoivent aussi une prime de 30 livres lors de la signature du contrat et la préférence va aux célibataires. Les principales motivations de ces jeunes hommes de milieu modeste à s'engager sont d'améliorer leurs conditions de vie et fuir la misère, car le contexte européen n'est pas enviable et beaucoup de jeunes gens peinent à trouver un emploi. Entre 1683 et 1715, 98% des soldats recrutés proviennent de France. Et entre 1747 et 1751, ce pourcentage baisse à 91%. Ce sont principalement les provinces du Nord et celles côtières qui fournissent le plus de recrues. Dans l'ensemble, les exigences concernant la taille des soldats sont respectées. Donc, la majorité des soldats mesurent entre 5 pieds 3 et 5 pieds 7 en mesure d'aujourd'hui. Nous, on est à peu près là, dans les moyennes. La majorité des recrues respectent aussi l'âge minimal d'embauche de 16 ans, bien qu'on retrouve des mentions anecdotiques de recrues qui sont âgées de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans et même 12 ans. Entre 1747 et 1751, on a recensé que 70% des militaires ont entre 16 et 30 ans. Donc, les troupes sont relativement jeunes. Pour ce qui est des sous-officiers, donc les caporaux et les sergents, pour leur part, ils sont plus âgés puisqu'il s'agit de soldats d'expérience avant qu'ils obtiennent leur grade de sous-officier. Tout comme les colons, les militaires doivent être catholiques en Nouvelle-France. Mais ça n'empêche pas quelques protestants et juifs de s'enrôler. Bien sûr, la conversion est fortement encouragée par l'Église catholique et parmi les mesures incitatives, on retrouve une augmentation de la ration pendant un an. Malgré l'obligation d'être présent à la messe une fois par semaine, on constate que les soldats préfèrent pratiquer d'autres activités moins pieuses pendant l'heure de la messe. Entre 1683 et 1715, près de 40% des soldats savent signer leur nom. À la fin du régime français, ils sont plus de 50%. Toutefois, il existe une différence marquée entre les sous-officiers et les soldats. 80% des sergents et 70% des caporaux sont capables d'apposer leur signature à un document, contre seulement 40% pour les simples soldats. Mais attention! Le fait de savoir écrire son nom ne signifie pas que le soldat sait lire, écrire et compter. Le taux d'alphabétisation est donc très difficile à déterminer.
Contrairement à Lubourg, où les autorités insistent pour que les soldats soient en mesure et les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui n'est pas dans l'armée, la colonie Laurentienne, pour sa part, n'en fait pas un critère de recrutement. S'ajoutent au recrutement régulier quelques hommes à qui on recommande fortement de s'éloigner de la France. C'est ainsi que des petits criminels comme des contrebandiers et des libertins sont condamnés à servir dans les colonies. À l'enrôlement, la recrue ne sait pas dans quelle colonie elle servira puisque ça diminue les risques de désertion. Certaines destinations ont moins la cote et c'est le cas du Canada. Le premier danger auquel le nouveau soldat est exposé, c'est la traversée de l'Atlantique, qui dure entre 2 et 4 mois dans les pires cas. Sur les bateaux, plusieurs attrapent le scorbut ou des maladies infectieuses dues à la mauvaise alimentation, au manque d'hygiène ou tout simplement à la promiscuité. Leur première impression de la colonie, c'est souvent à l'Hôtel Dieu de Québec que les nouveaux soldats se la font. À leur arrivée à Bonport, les soldats vont être répartis dans les garnisons de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et une majorité sera dispersée dans les ports, dans les forts plutôt, qui sont situés là, sur le territoire de la colonie. Ça peut être dans la vallée du Richelieu. Et ça va jusqu'au Grand Lac et même plus à l'ouest encore. Le soldat reçoit tous les 2 ans un stoucard de drap gris-blanc et bleu, une veste et une culotte de serge bleu, des guêtres blanches, des bas bleus, des chemises et cravates blanches, des chaussures en cuir noir et un chapeau en feutre noir garni d'un galon d'or faux. Pour ma part, je porte l'uniforme de la compagnie des canonniers bombardiers. Alors, les canonniers sont vêtus de rouge et de bleu, et non pas de blanc et de bleu comme les soldats d'infanterie. L'uniforme est fabriqué en France et est remis à la recrue avant son embarquement ou acheminé dans la colonie pour y être distribué aux soldats déjà en service. L'administration coloniale critique souvent la qualité de la laine qui est trop mince et de piètre qualité. L'uniforme est déduit de la solde du soldat et c'est lui qui est responsable de l'entretien et de la réparation de son habit. Pour leur part, les officiers et les sous-officiers ont des uniformes faits avec des matériaux de meilleure qualité, ce qui les distingue du simple soldat. L'uniforme ne connaît pas d'adaptation officielle dans la colonie Laurentienne. Toutefois, les autorités militaires tolèrent quelques ajouts ou modifications à la garde-robe du soldat. Et là, Julien, s'il te plaît. Évidemment, il faut composer avec les rigueurs du climat hivernal et avec les particularités du territoire. Donc, on voit apparaître dans la garde-robe des soldats, on voit apparaître le capot, qui est en fait un manteau de laine qui est porté par les marins. Mais rapidement, les soldats vont l'ajouter, surtout en hiver. Et même les Canadiens aussi abordent le capot. La tuque de laine, bien sûr, on voit la différence pour couvrir les oreilles, entre autres en hiver, entre le chapeau et la tuque. Il y a les mitasses aussi, Julien, si tu veux les montrer. Les mitasses qui sont vraiment un emprunt là, à la culture amérindienne. Donc, ça protège beaucoup mieux les vêtements lorsqu'on se promène en forêt, parce que les bas ou les guêtres là, peuvent quand même rapidement être déchirés par les branches. Et enfin aussi, on adopte le mocassin. Là, dans ce cas-là, c'est des souliers de bœuf, mais le mocassin qui peut remonter un peu plus haut aussi, puis qui est préférable en hiver plutôt que des souliers en cuir ou des souliers en fait qui ne protègent pas bien la cheville. L'uniforme est porté uniquement pour accomplir des tâches liées au service militaire. Donc, le soldat doit aussi se procurer des vêtements civils à ses frais. Et ces vêtements-là sont similaires à ceux portés par les Canadiens. Aux habits s'ajoute bien sûr l'équipement qui comprend le ceinturon, le fusil et sa baïonnette, l'épée et son fourreau, et le gargoussier dans lequel on met les munitions. Les armes exposées à l'humidité et à des conditions de transport et d'entreposage inadéquates
sont souvent en mauvais état, ce qui nuit forcément à leur efficacité. Malgré l'entretien assidu des soldats, les armuriers sont très sollicités. Les conditions de vie du soldat au Canada sont relativement enviables. Bien qu'ils doivent payer son uniforme, il est logé et nourri aux frais du roi. À la fin des années 1740, la ration comprend 1,5 livre de pain, 1/4 livre de lard et 4 onces de pois par jour, et 1 livre de beurre, 1 pot de mélasse, 1 livre de tabac et 1 pot d'eau-de-vie par mois. La part de cette ration est estimée à 3000 calories par jour. De plus, lorsque le soldat part en expédition, sa ration est bonifiée à 2 livres de pain et 1 demi-livre de lard. Chez l'habitant, le soldat peut bénéficier du repas familial en échange de sa ration. Dans les forts, il peut cultiver un jardin et compléter son régime en chassant, pêchant, cueillant et récoltant nos érables. Et en ville, il peut fréquenter les cabarets ou les auberges. L'alimentation est frugale, mais les occasions d'améliorer son sort existent pour qui est industrieux. Au Canada, les troupes de la marine sont logées chez l'habitant. Pour le soldat, les avantages sont nombreux. Les conditions de vie sont meilleures en termes d'alimentation et de salubrité. Il est loin de la discipline militaire. Il peut travailler pour son logeur et avoir un salaire d'appoint. Et il s'intègre plus rapidement au pays. Bien que contraignant pour l'habitant puisqu'il accueille un étranger chez lui qu'il ne connaît pas du tout et qui arrive de France, ce dernier y trouve son compte aussi en employant le soldat. Et qui sait, la promiscuité avec une des filles de la maison peut amener un heureux événement qui, encore là, est à l'avantage des deux parties. Pour les soldats envoyés dans les forts, les conditions, la qualité du logement dépend de la qualité de la construction et de la quantité de soldats qui y sont logés. Par exemple, au fort de Chambly, on a rarement atteint la capacité maximale d'occupation par chambrée, ce qui fait que c'est un endroit relativement confortable. C'est seulement à partir de 1748 que les soldats seront casernés à Québec. D'abord à la Redoute royale, ensuite à la Redoute Dauphine en 1749 et dans les nouvelles casernes en 1753. Elles étaient nouvelles par rapport aux plus vieilles casernes qu'étaient les redoutes. Les autorités militaires y voient une bonne façon de garder le contrôle sur leurs hommes. La population de Québec, par contre, doit payer une taxe pour l'entretien des casernes. Et pour ce qui est des soldats, l'ameublement minimaliste et le confort très limité nous permettent de supposer qu'ils regrettaient le temps où ils étaient logés chez l'habitant. La vie quotidienne du soldat est rythmée par le son du tambour du lever au coucher du soleil, la diane le matin et la retraite le soir. Les principales occupations du soldat sont de monter la garde et d'assurer la sécurité et la protection de la colonie. Le soldat est justement de garde pendant 24 heures consécutives par semaine avec d'autres collègues. Il doit aussi s'entraîner 3 fois par semaine, en plus du dimanche et des jours liturgiques. Mais le taux d'absentéisme élevé de la part des soldats nous permet de douter de leur niveau d'entraînement. Annuellement, c'est un salaire de 100 000 livres que le soldat peut espérer toucher avant les déductions pour l'habillement, la caisse invalide, etc. Étonnamment, malgré l'inflation, la solde reste la même entre 1683 et les années 1750. Donc, avec un salaire aussi faible et une inflation grimpante, le pouvoir d'achat du soldat est très restreint et diminue avec le temps. Par exemple, vers 1700, un bel habit peut valoir entre 60 et 120 livres et un fusil de chasse 50 livres. Et par rapport à l'inflation, vers 1751, le quintal de farine vaut 12 livres. 8 ans plus tard, il a quadruplé, passant de 12 à 60 livres. Et pour en finir avec le salaire, le soldat le reçoit donc son salaire une fois tous les 3 mois lors d'une revue des compagnies. Et s'il est absent pour une bonne raison, qu'il soit en mission ou hospitalisé, le trésorier conservera sa solde et lui redonnera ultérieurement. Pour un soldat ambitieux, les possibilités de promotion sont plutôt limitées au sein des troupes de la marine. Seuls les grades de sous-officier, caporaux et sergents sont à sa disposition. Par contre, d'autres possibilités d'augmenter leurs revenus s'offrent à eux
notamment dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, comme c'est le cas de la colonie Laurentienne. Les soldats peuvent donc cumuler deux emplois. Près de 50 % des soldats possèdent un métier ou une expérience professionnelle avant de s'enrôler, que ce soit dans les domaines de la fabrication du vêtement, de l'alimentation ou de la construction. Par exemple, un soldat boulanger peut recevoir jusqu'à 370 livres annuellement pour son travail, ce qui est trois fois la solde du soldat. Les soldats sans formation, ils ont aussi des emplois disponibles, que ce soit des emplois là, de journalier notamment. C'est ainsi que les soldats des troupes de la marine ont notamment contribué à la construction des fortifications de Québec et des différents forts sur le territoire de la Nouvelle-France, soit en étant donc journalier, soit en étant maçon, forgeron ou charpentier. Les officiers seigneurs offrent aussi des emplois dans leur seigneurie, comme laboureur ou comme valet. Et finalement, d'autres militaires, entrepreneurs dans l'âme, se lancent en affaires. C'est le cas des sergents cabaretiers qui opèrent des cabarets où les soldats sont un peu une clientèle captive. Et que font les soldats lorsqu'il leur reste du temps? Eh bien, ils se divertissent. Et si vous voulez en savoir davantage sur les divertissements des militaires en Nouvelle-France, on vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, la conférence de Joseph Gagné et Michel Thévenin sur le sujet. Le délit le plus fréquemment commis est la désertion, surtout en période de guerre. La désertion est un crime de lèse-majesté et son châtiment est la peine de mort. Si le militaire n'est pas retrouvé, l'exécution se fait par contumace, c'est-à-dire sur une effigie. Et s'il s'agit d'un groupe de déserteurs, un seul subira la peine de mort à la suite d'un tirage au sort, les autres seront envoyés aux galères. L'exemplarité du châtiment a pour but de dissuader toute récidive. Et en de rares occasions, des amnisties générales ou des grâces individuelles peuvent effacer la faute. Le vol est le deuxième crime le plus répandu chez les soldats. Alors, ils en profitent principalement pour dérober des marchandises dans les bâtiments publics ou pour voler les particuliers. Le vol d'argent n'est pas très fréquent parce qu'il est relativement facile de fabriquer de la fausse monnaie, donc faire du faux monnayage, ce que les soldats pratiquent quand même passablement, et c'est aussi un crime qu'on retrouve fréquemment dans la gente soldatesque. L'insubordination, le manque de respect envers les supérieurs et le refus d'obéir sont rapportés aussi à l'occasion. Enfin, les duels concluent ce palmarès des crimes commis par les soldats. Du côté des châtiments, on retrouve les galères, le cheval de bois, le fouet, le bannissement et la flétrissure au fer blanc. La prison n'est pas une peine, c'est plutôt une salle d'attente pour le soldat avant et pendant son procès et avant l'exécution de sa peine. Une vie après l'armée est possible malgré un taux de mortalité élevé dans les troupes. La promiscuité et l'insalubrité sont des ennemis bien plus mortels que les Britanniques et les Iroquois. Alors, qu'adviennent-ils des soldats qui quittent l'armée? Ils s'établissent, ils se marient ou retournent en France. La politique de peuplement qui avait connu un certain succès avec les soldats du régiment de Carignan-Salière est reconduite avec ceux des troupes de la marine. Tout homme qui souhaite s'établir reçoit l'équivalent de son salaire et de sa ration pendant une année, ainsi que son uniforme et un fusil. Entre 15 et 20 % des 8000 soldats s'établiront dans la colonie. Et les mariages sont aussi encouragés par les autorités. D'ailleurs, les premiers soldats des troupes de la marine sont envoyés à Montréal, où les attaques iroquoises sont plus fréquentes, et il était aussi plus facile de lancer une expédition contre l'Iroquoisie à partir de cette ville. Donc, sans surprise, de 1683 à 1715, plus de la moitié des mariages avec les soldats auront lieu dans la région de Montréal. Aussi, on note que sur 80 ans, environ le quart des soldats vont convoler avec des veuves qui généralement possèdent quelques biens de leur précédente union, ce qui les rend particulièrement attrayantes. Enfin, les beaux-parents sont très accommodants et fournissent aussi des moyens de subsistance aux jeunes couples dans ces premières années de vie commune, que ce soit sous forme d'entraide, de terre, d'ameublement
ou même de bétail. Dans une moindre mesure aussi, l'union d'un militaire et d'une Canadienne est dictée par une naissance illégitime. Les officiers seigneurs vont aussi faciliter l'établissement de leurs soldats en leur offrant de devenir censitaires. Les officiers ne se gênent pas pour garder leurs hommes à leur service à la fin de leur contrat. Pour leur part, les soldats trop âgés et les invalides sont pris en charge par l'État. Ils recevront une demi-solde par année et pourront choisir de rester au Canada ou de retourner en France sans frais. Et il est aussi possible de renouveler son engagement dans l'armée. Contrairement à ce que plusieurs historiens et contemporains ont écrit, ces soldats venus de France ne sont pas restés emmitouflés au coin du feu, complètement désemparés devant l'hostilité du territoire et du climat. Ils ont participé, été comme hiver, à la vie militaire et au développement de la colonie. Ils se sont adaptés, ils ont été postés aux quatre coins du Canada et ont parcouru des milliers de kilomètres à pied ou à canot. La jeunesse des soldats explique en partie pourquoi ils embarquent dans cette aventure. L'autre explication vient de la composition du corps des officiers et du leadership qu'il exerce. Pour être officier, il faut tout d'abord être bien né. Seuls les gentilshommes sont admis dans le corps des officiers. Les premiers officiers arrivés au Canada proviennent uniquement de France. Ce sont des nobles désargentés dans bien des cas, mais avec une expérience militaire en Europe. Tout comme pour les soldats, les autorités coloniales encouragent les officiers à s'établir et l'octroi d'une seigneurie avec des terres fertiles, qui est un rêve pratiquement inatteignable en France, en convainc plusieurs de rester. Entre 1683 et 1739, on a recensé 88 capitaines, 56 vont s'installer à demeure et 41 laisseront une descendance qu'il faudra aussi retenir dans la colonie. Ils seront à l'origine d'une classe sociale privilégiée et vont fonder des dynasties coloniales. C'est le cas, par exemple, de la famille Vaudreuil. Graduellement, le corps des officiers se canadianise, notamment grâce aux politiques métropolitaines qui favorisent les gentilshommes canadiens. Au début du 18e siècle, c'est le tiers des officiers qui sont canadiens. En 1720, ils représentent la moitié des effectifs et vers 1740, les Canadiens constituent presque l'entièreté du corps des officiers des troupes de la marine. Ils vont d'ailleurs utiliser leurs fonctions militaires pour s'enrichir, prospérer et consolider leur position sociale. Contrairement aux Français qui voyaient ce séjour dans les colonies comme un passage obligé dans leur cheminement de carrière, les Canadiens vont s'investir. Entre devoirs et intérêts personnels et familiaux, leur cœur balance. On recense très précisément 895 officiers des troupes de la marine au Canada entre 1683 et 1760. De ce nombre, 440 sont canadiens, 439 sont français et 16 proviennent d'autres pays d'Europe ou d'autres colonies. Afin de procurer des perspectives de carrière intéressantes pour les fils de la noblesse et ainsi assurer la pérennité de leur établissement dans la colonie, le grade de cadet ou cadet à l'aiguillette est créé précisément pour le Canada à partir de 1731. L'aiguillette est un cordon de soie bleu et blanc porté à l'épaule de l'uniforme. Les cadets constituent un groupe particulier à mi-chemin entre les officiers et les soldats. Ce sont des élèves officiers qui font l'apprentissage dans les rangs au même titre que les soldats. Le besoin de débouchés pour les enfants de la noblesse était tel que les 28 brevets disponibles trouvent preneur, ce qui amène la création officieuse des cadets-soldats ou cadets en second. Par ailleurs, la formation des officiers canadiens se déroule au Canada dans la grande majorité des cas. C'est dire que les apprentissages spécifiques au territoire sont cruciaux pour les suites de cheminement de carrière. L'expérience acquise sur le terrain est donc au cœur de la formation des officiers coloniaux. Pour les membres de la noblesse au Canada, tout comme en France, la carrière militaire est une tradition familiale. De père en fils, on se consacre au service du roi. D'ailleurs, les fils des officiers du régiment de Carignan-Salière seront les premiers officiers canadiens des troupes de la marine. En 1694, 95% des officiers canadiens
étaient membres de la noblesse d'épée. En 1709, ils sont 90%. Le mode de vie des officiers est le même que celui de l'élite, groupe socio-économique auquel il appartient. Bonne chair, bon vin, ameublement confortable et accessoires luxueux. Les seuls changements observables sont liés aux nécessités du service. En poste éloigné ou en déplacement lors des campagnes, on limite le superflu. Les officiers canadiens ont l'avantage d'avoir des compétences particulières dans le domaine des relations avec les alliés amérindiens. Dans le contexte de leur formation militaire, les élèves officiers sont détachés dans les postes de la région des Grands Lacs et de l'Ouest notamment, et ils y apprennent les langues et les coutumes amérindiennes. Les contacts qu'ils établissent serviront les relations diplomatiques et économiques que la colonie entretient avec ses alliés. Outre cela, c'est en matière de tactique militaire que le métissage culturel s'opère particulièrement bien. La petite guerre ou guerre de parti permet aux officiers de se démarquer. Ils savent tirer avantage de l'effet de surprise tout en maintenant une discipline ordonnée, ce qui les rend particulièrement efficaces. Ils gagnent même l'estime des alliés qui n'hésitent pas à se joindre aux expéditions qu'ils commandent. D'ailleurs, les hommes sous leurs ordres sont autant des soldats français entraînés, des miliciens canadiens que des guerriers amérindiens. Une mixité de cultures guerrières dont ils savent tirer profit. Certains auteurs ont reproché aux officiers canadiens d'être peu présents dans la vie quotidienne de leurs hommes. Cependant, leur connaissance du territoire et des alliés fait en sorte que c'est surtout à eux que le gouverneur général confie les missions les plus dangereuses et donc les plus mortelles. Aussi, leur intrépidité et leur implication sur les champs de bataille les exposent davantage aux risques. Conséquemment, ils ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé que celui des officiers français, allant jusqu'à 20 % de l'effectif en période de guerre. À partir de 1755, alors que la France envoie les troupes de terre dans la colonie, commandées exclusivement par des officiers européens, un choc des cultures s'opère. Le clivage entre les officiers canadiens et les officiers français va nuire à la défense du Canada durant la guerre de 7 ans. On estime que le coût de la vie pour une famille noble au Canada est de 25 % supérieur qu'en France. Les officiers cherchent donc des façons de maintenir ou d'améliorer leur train de vie. Outre leur carrière militaire, qui à son apogée peut générer plus de 1 000 livres par an, les officiers canadiens s'impliquent particulièrement dans le commerce des fourrures. Leur séjour dans les pays d'en haut, de la vallée de l'Ohio et du pays des Illinois, ainsi que leurs relations privilégiées avec les alliés amérindiens, contribuent à créer des réseaux commerciaux, ce qui explique en partie leur fréquente absence au sein même de leur compagnie. À cela s'ajoute l'administration des seigneuries qui requiert du temps, mais qui rapporte aussi des revenus à leurs propriétaires, et le mariage, qui offre une occasion d'alliance politique, terrienne et commerciale lorsqu'on choisit bien sa belle famille. Outre la défense de la colonie, les troupes de la marine ont laissé en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Québec, de précieux legs. Nous en avons retenu 5. Les soldats ont servi de main-d'œuvre pour plusieurs des grands projets d'infrastructure de la colonie. Ils ont notamment participé à la construction des réseaux de forts garantissant la sécurité, garantissant la protection et la délimitation du territoire, dont les forts de Chartres, Niagara, Chambly, ainsi que la forteresse de Louisbourg. Ils ont aussi collaboré à l'érection des fortifications des villes de la colonie comme Québec, Trois-Rivières et Montréal. Parmi toutes ces réalisations, certaines existent encore. C'est le cas des fortifications de la ville de Québec et du Fort Carillon. On leur doit aussi la découverte et l'exploration du territoire. Les troupes de la marine ont participé à plusieurs expéditions, notamment celle d'Iberville en Louisiane et de la Vérendrye vers l'ouest. Ils ont aussi contribué au peuplement du Canada. Dès l'envoi des premières troupes de la marine, le roi Louis XIV souhaite reconduire la même stratégie d'établissement qu'avec les troupes du régiment de Carignan-Salière, c'est-à-dire licencier à la première occasion tout soldat qui manifeste le désir de se convertir en colon. Un peu moins de 20 % des soldats vont s'enraciner au Canada, ce qui représente 1 500 à 2 000 hommes.
La coutume veut que les soldats reçoivent un nom de guerre de leur capitaine, parfois en lien avec un trait de caractère, la douceur, la joie, va de bon cœur, belle humeur. La région d'origine, Picard, Normand, l'anglais, l'allemand. Une caractéristique physique, le blond, le brun, petit, etc. Ces noms, vous les connaissez sans doute, plusieurs Québécois les portent comme patronymes, un héritage de leur ancêtre militaire. Les soldats ont laissé des noms de famille en héritage. Les officiers, pour leur part, ont plutôt laissé leur trace dans la toponymie du Québec. Encore aujourd'hui, leurs noms se retrouvent sur les cartes. Repentigny, Longueuil, Lanaudière, Vaudreuil, pour ne nommer que ceux-là. Les compagnies franches de la marine disparaissent en 1761 lorsque le ministre Choiseul les incorpore à l'armée de terre. Pour ce qui est plus précisément du retour des soldats des troupes de la marine de retour du Canada en 1760, l'intendant de Rochefort reçoit alors de les licencier. Des recruteurs de terre tenteront de les enrôler sans succès. L'intendant de Rochefort écrira « Ces gens ont déjà répondu unanimement qu'ils ne voulaient servir que dans les colonies et que si le Canada est rendu, ils iront y rejoindre leurs compagnons. » Ainsi se termine l'aventure des troupes de la marine au Canada. Mais ce n'est pas encore la fin des péripéties des troupes de la marine en Nouvelle-France, puisque des irréductibles se retrancheront en Louisiane et résisteront un petit moment. À la lumière de leur remarquable contribution à l'histoire du Québec, on s'étonne encore aujourd'hui que le 7 novembre 1683, date de l'arrivée des premiers soldats des troupes de la marine au Canada, donc que le 7 novembre 1783 ne soit pas encore reconnu comme événement historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Le ministère de la Culture et des Communications a procédé à la désignation de l'arrivée du régiment Carignan-Salière comme date historique et on espère qu'il procédera prochainement à la désignation du 7 novembre 1683 aussi comme date historique pour rendre un peu justice à ces soldats qui ont contribué beaucoup à notre histoire.